Donc salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur Heroic Expedition les gars. Voilà, je me crois lundi moi, on est mardi là, mais avec le jour férié, je me crois lundi. Donc écoute, on commence cette semaine plutôt tranquillement. On va faire comme d'habitude nos petites invocations. Alors du coup, toutes les semaines, au final, j'arrive à avoir, alors de manière assez gratuite, 30 invocations. Donc on verra cette fois si c'est bien. Là, on a bientôt 60, dommage, on en a 57, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour en plus qui était passée, on a des nouveaux persos, donc t'as dû le voir. Hein. Voilà, on est sur ça, donc voilà, Olivier pour les plantes. Ensuite, on a Lucas pour l'eau. Et pour le feu, on a Ryder. Donc voilà les trois nouveaux persos ajoutés. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Bon, on peut voir que là, directement, ce sont des tanks. Donc, lui, il a fait des dégâts juste aux ennemis qui sont devant. Et il donne aux alliés qui sont aussi devant, hurlement du loup. Et ce buff, du coup, il réduit considérablement les premiers dégâts subis par la cible. Alors, ça met pas de pourcentage. Qu'est-ce que ça veut dire considérablement? Est-ce que ça les enlève totalement? Ouais, c'est chelou ça. Mais ok, ça fait des dégâts et ça buff, pourquoi pas. Ensuite, ta capacité passive qui pourrait être activée, c'est quoi? Ah bah, c'est encore hurlement du loup, d'accord? Ça dissipe les dégâts subis par les héros qui portent le hurlement du loup et soigne à hauteur de 10% de l'attaque d'Olivier. Donc en gros, de ce que je comprends, les alliés qui ont le buff là, ça leur enlève leurs dégâts et ça les soigne. Donc pour l'instant, on a quand même deux buffs, hein. C'est pas si tank que ça. Et ensuite, le dernier passif à la fin de l'action d'Olivier. S'il peut encore agir, ajoute une réduction de dégâts à la durée, donc un dot de 10% pendant un tour. Pas tout compris, là. Mais ce que je comprends, c'est lui qui se prend une réduction de dégâts, donc c'est toujours bien. C'est pour ça, du coup, qu'il doit passer tank. C'est parce qu'avec ça, ça le rend un peu plus tanky. Ok. Chez les bleus, il donne quoi? Alors, il y a encore un truc un peu de support, parce que tous les alliés obtiennent un bouclier égal à 8% des PV max de Lucas. Bon, lui, bien sûr, il gagne un bouclier supplémentaire égal à 5% de ses HP max pendant 2 tours. Puis, il prend l'allié qui a le moins de PV et lui donne une bénédiction des loups qui dure 2 tours. Et en gros, ça va lui échanger les dégâts. En gros, la cible, elle va se prendre des dégâts, mais en fait elle se les prendra pas, elle les donnera à Lucas. Et en gros ça c'est pas mal parce que tu vois ça dit que tous les dégâts subis par la cible seront transférés à Lucas. Ok. Et ensuite ça dit qu'au début de chaque tour Lucas est soigné à hauteur de 10% de sa force restant du bouclier de Lucas. Ok, donc chaque tour il prend du heal. Et enfin lorsqu'il subit une attaque il a 10% de chance d'obtenir un bouclier égal à 5% de ses PV max pendant 2 tours. Ok, donc là il y a pas mal de boucliers. Mais il y a quand même un petit peu d'aide aux alliés. Donc en vrai c'est pas dégueu. On va voir le dernier pour se donner une idée. Donc là son ulti il va avoir une réduction de dégâts de 20% et de 30% de chance de provoquer tous les ennemis pendant un tour. Ça c'est pas mal la provocation. Ça oblige tout le monde à le taper du coup. Donc pour un tank c'est plutôt bien. Ensuite il va attaquer donc l'ennemi qui a le moins de PV et il va lui mettre un dot pendant 2 tours et ça réduit considérablement les soins reçus par la cible. Ok, donc ça va l'empêcher à la cible de se soigner. Donc là, c'est un peu plus poussé de dégâts, on va dire. Bien qu'il ait une provocation, donc ouais, non, ça va, c'est assez complet ça. Ensuite, son premier passif, une fois qu'il a libéré sa capacité, il inflige une déchirure à l'ennemi ayant le moins de PV, d'accord. Donc ça va cibler encore l'ennemi qui a le moins de PV pendant un tour. Et donc, déchirure, 5% de dégâts subis par Ryder sont transférés à cette cible. Ok. Et enfin, pour finir, les attaques de base de Ryder ont 30% de chance de provoquer la cible pendant un tour, d'accord. Donc on a aussi de la provocation là. Moi, je sais pas trop dire lequel est mon préféré. C'est pas un perso que je vais forcément viser, je pense. Après, je dis ça, attends, il est mis sur les meilleures équipes PVP, hein. Mais, alors, attends, est-ce qu'on peut voir ça? Bon, après, il vient de sortir, donc tu me diras, tu peux pas forcément l'augmenter en étoile comme tu veux. Et là, c'est vraiment ceux de mon serveur, donc c'est peut-être pas les meilleurs non plus. Mais pour l'instant, c'est un peu toujours les mêmes persos qui reviennent. D'ailleurs, Margaret, parce que là, du coup, je vois Margaret. J'ai vu plusieurs commentaires de votre part concernant la dernière vidéo. Donc, déjà, merci à tous ceux qui m'ont dit que mon inventaire était plein. Évidemment, fallait que je les assemble et j'avais. Bah ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. J'étais persuadé que les 1 étoile se transformaient en 12 étoiles, qui après, ça évoluait. Sauf que, ben non, il faut aller là-dedans, il faut les supprimer parce que ça fait de la place pour rien. Donc du coup, je me suis trouvé avec 175 persos, limite à 74. J'en aurai pour la suite, c'est pas grave. J'ai d'ailleurs mis merci mon cadre d'avatar parce que j'avais pas vu que ça donnait des bonus, merci. Ça, pour le coup, j'avais pas fait gaffe et tu vois que quand même, ben écoute, on gagne un peu d'attaque, on gagne un peu de PV, on est content. Et il y a un autre commentaire que j'ai pas fait, c'est de mettre Cynthia pour passer là où je suis bloqué, quoi. Parce que c'est vrai qu'elle met pas mal d'entraves et je suis toujours bloqué normalement au même endroit, il me semble. Et du coup, je pourrais faire. Alors, par contre, sur mes Cynthia, on ne peut pas malheureusement garder tout le monde. Donc hop, on met Cynthia pour les entraves. À la limite, je mets lui devant. Par contre, après, il me faut un perso rouge. Alors, on m'a dit de mettre Margaret, même si elle n'était pas trop évoluée, c'était pas trop grave. Mais là, elle se fait tuer direct, donc je mets juste elle, histoire 2. Et après, tu verras qu'on pourra augmenter Margaret, donc ça fait super plaisir. Parce que c'est dans le shop, on l'avait, donc voilà. Alors, attends, je mets juste ce combat-là. Alors, je sais pas du tout si ça va passer, mais je crois pas que j'avais... Bon, là, du coup, celle qui doit mettre de l'entrave, malheureusement, elle s'est fait avoir. Donc, je pense pas que ça va passer. Mais dommage. Hop, on reprend la fin du combat. En vrai, j'ai jamais. Enfin, après, tout dépend. Elle va me faire un outil, elle va tout me défoncer. Mais je trouve que je suis plutôt bien, là, niveau vie. C'est la première fois, je pense, où. Ou une des premières fois où je suis aussi bien. Ah, non. Ça va manquer. Tu vois, il me manque pas beaucoup. Hein. À chaque fois, il reste pas grand chose. Me dis pas que ça va passer. Mais non. Bah non. Bon, mais je suis pas loin. Et là, en vrai, j'avais vu ça, regarde. Alors, je sais plus quel c'était de marché. Ah bah, c'est celui-là. Moi, j'avais pris Auguste, tu vois. Et là, en vrai, bah, je pourrais prendre Margaret. Et là, on est bien. La dernière fois, j'avais pas fait ça. Mais là, ça peut le faire. Donc, on la sort du sac.
Voilà. Et là, normalement, on peut la monter. Voilà, nickel. On la monte 5 étoiles. Et c'est sûr que j'ai de la food, donc hop, hop. Voilà, nickel. On l'a évolué 6 étoiles. Donc, normalement, là, elle devrait être plus tanky. Elle devrait faire un peu plus de dégâts. Donc, ça devrait mieux se passer. Donc, on la monte en niveau parce que 80, ça va pas être ouf. Voilà, j'espère que j'ai... Ah, j'ai pas assez de ressources. Après, au pire, je baisse un perso, mais je crois que ouais. Non, voilà, nickel. Déjà, ça, ça devrait faire du bien. Ok, bon, on est à 118 au lieu de 120. C'est pas grave. Donc, est-ce qu'avec ça, déjà, sans invoque, est-ce que ça passe? On met Margaret. Est-ce que ça fait plus de dégâts? Normalement, oui. Parce que tout le monde est unanime pour me dire que c'est la meilleure perso du jeu. PvP, PvE, en termes de dégâts, c'est très fort. Donc, on verra. Je vais voir directement à l'ulti, déjà. Bon, là, déjà, je mets des gros dégâts. Allez. Ok, non. Ah, dommage. Après, est-ce que j'ai mis la meilleure équipe là? Je sais pas. En termes de doré là, j'ai mis... Enfin, en termes de live, pardon. J'ai mis Michel pour le heal parce que je sais que ça marche quand même pas trop mal. Est-ce que c'est pas mieux... Enfin, est-ce que c'est mon... Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est pas mieux de mettre le samouraï tout ça? Je suis pas sûr. Alors, le tank, non, c'est sûr, ça. Par contre, le samouraï que j'ai oublié le nom, je pense qu'il peut être pas mal. Allez, là, clairement, là, si Margaret, elle est forte, elle devrait le faire là-dedans. Parce qu'elle pourrait faire la diff là. Normalement, si elle a des bons dégâts, logiquement, je devrais gagner. Là, je pense que je suis très bien parti pour gagner. En vrai, là, oui, non, mais je suis trop bien parti pour gagner. Donc, c'est obligé que Margaret. Bon, elle meurt malheureusement, mais. Je vois pas comment je peux perdre là. Non, je peux pas perdre, c'est impossible. Non, mais elle reprend trop de vie. Elle reprend trop de vie. C'est un truc de ouf ce truc là. Oh, les dégâts pourris. Attends, mais c'est quoi ces dégâts là? On m'a dit que c'était la meilleure perso. Ils sont où les dégâts? Attends, elle a pas de stuff? Mais si, elle a un stuff pourtant. Après, il est pas évolué. Ok, mais quand même. Respecte-toi un minimum. Bon, on met 10 là. Voilà. Bon, on a un peu tout augmenté. On va voir si c'est vraiment ça fait la diff ou pas. Tu vois, je te disais là, est-ce que c'est vraiment le meilleur bail là? Ou est-ce qu'à la place de mettre elle, hop, on met lui comme vous m'avez conseillé aussi dans les commentaires. On va essayer ça. Parce qu'en vrai, lui met un petit peu de dégâts. Si là, je peux faire la diff. Et ah, j'aurais dû mettre le samouraï en vrai. C'est peut-être lui qui aurait fait la diff. Je sais pas. On va tenter. Est-ce que là, je peux faire un bon score déjà? Là, si j'arrive à les one-shot en vrai, ce serait pas mal. Hein. Allez, Margaret, one-shot. Oh, il reste rien. J'ai pas de... Ouais, j'ai pas de chance là. Là, j'ai pas de chance qu'ils m'ont allumé là en une attaque là. Ils m'ont fait perdre beaucoup, beaucoup de PV. Alors qu'en vrai, il m'aurait rien mis, j'aurais été très très bien. Parce que là, Margaret, elle va mourir, alors qu'elle aurait pu continuer tout le fight, quoi. Non, ça passe pas, c'est pas grave. Alors, je peux sûrement passer ce combat, et je te reprends après à la fin. Même si là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, donc je fais rien. Attends. Après, c'est vrai qu'elle revit à chaque fois, donc ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Attends, mais regarde comment on est bien, quand même. Elle reprend de la vie, mais moi aussi, je reprends de la vie. Et si c'était là? Et si c'était là, les gars, voilà. Oh, il est passé celui-là, enfin, quoi. Ah, j'en pouvais plus, hein. Franchement, j'en pouvais plus, je l'ai fait plein de fois. Ok, donc là, forcément, Margaret, elle a joué son rôle. Après, ouais, c'est vrai que le perso que j'ai mis vert, comment il s'appelle déjà? Aliester, ouais, lui aussi, il a dû faire la diff, à mon avis. Alors, par contre, j'ai vu qu'on avait débloqué un nouveau truc. Alors, c'est quoi? Blocage. Ah, attends, blocage, c'est bien ça. Belle, là, qu'il faut du blocage? Parce qu'il bloque une attaque, ce héros est soigné, bah, c'est bon. Donc, elle, sur elle, ça peut faire très mal, à mon avis. Hein. Donc, on va directement faire ça. Voilà. Donc là, on est plutôt bien. Donc on arrive au chapitre 13. Et ça fait... Ouh, 10 de plus. Nickel. Oh, notre invoque, elle va être belle là. Je pensais pas qu'on allait l'avoir autant, donc c'est cool. Donc allez, on va là-dedans. On a... Attends, on fait les 50 comme d'hab. Et on voit si on a quelque chose d'autre après. Parce que là... Oh la montre. Oh l'erreur. L'erreur, mais c'est pas grave. C'est de la food. Hop, on passe vite fait. Clac, elle est enclenchée les gars. C'est maintenant que ça va jouer. Allez, s'il te plaît. Là, il me faut des bons persos. Si on pourrait avoir, encore une fois, la Margaret, même si là, elle m'a pas convaincu. Je ne vais pas te le cacher, pour l'instant, elle nous a pas fait grand-chose, j'ai l'impression. Même si on a passé le niveau, est-ce que c'est vraiment sa faute? Je sais pas. Maintenant, je sais que c'est un très bon perso, donc nul doute. Enfin, je vois tout le monde qui l'a, donc je sais que c'est fort. Hein. Mais là, je trouve qu'elle m'a... Enfin, je m'attendais à un peu mieux, clairement. Je m'attendais à ce qu'elle soit, alors peut-être pas première en dégâts, mais dans le top 3, quoi. Au moins dans le top 3. Et là, elle était très loin, elle était dernière, donc ouais, je sais pas. Ok, donc encore que de la foot, tant pis. Et on a fait nos 50, ça va vite, hein. Donc allez, les gars, passons maintenant aux choses sérieuses avec nos invocations avancées. On en a 40 à faire, ce qui est normalement pas trop mal. Je devrais avoir plusieurs épiques, normalement. Ce qui pourrait être cool, c'est d'avoir Sylvia, parce qu'il faudrait que je la monte. Je sais qu'elle est très forte, donc Sylvia
Et Margaret, je sais que je peux full les monter. Après, dès que c'est Dark and Light, j'ai un peu plus de mal parce que tu vois, les lights, il y en a plein que j'aime, mais malheureusement, bah, je sais que je peux pas tout monter comme ça. Après, dans les verts, je sais pas trop. Je veux pas vraiment de. Ah, si, Matthew. Si, Matthew. Il nous faut Matthew absolument. Comme ça, on pourra enfin mettre lui. Parce que Auguste, moi, je kiffe. Hein. Donc voilà, j'espère qu'on aura des bons persos. Allez, c'est parti. En avant pour les 50, 40 ou 50 ? Non, 40. Allez. Mais non. Oh, le lancer qui sert à rien. Ah, ça, c'est dur. Hein. Celui-là, il fait mal. Donc, tant pis. Bon, j'espère que ça veut dire que pour les 30 prochains, par contre, ça va envoyer. Allez. Allez, s'il te plaît, un bon truc. Ok, Diane, on en a deux déjà. Deux ou trois ? Je sais pas. Allez, s'il te plaît. Pas un truc de food. Un vrai... J'ai peur. Ok, bon, lui, je pense que je le kiffe pas. Donc, c'est moyen. Oh, ouais, bon. Je dis ça, peut-être qu'il va être fort après. Donc, en vrai, je sais pas. En plus, j'ai eu le rouge, là. Donc, celui-là qui provoque. Donc, pourquoi pas. Et on a Lucas. Donc, on a bien eu trois trucs dans ce tirage-là. Bon, malheureusement, deux fois le héros que je veux pas. Mais c'est pas grave. Allez. Mais à la limite, c'est, je crois, chez le bleu et chez la faction feu que je trouvais qu'il était mieux. Donc, peut-être que j'en ai eu un des deux qui est bien, là. Pour le futur. Mais si je pouvais avoir autre chose que ça, oh là là là, ouh, ça va être dur. Ou celui-là, je pense que ça va être dur. Hein. On était trop bien habitués là, à avoir des persos épiques à chaque fois. Moi, en vrai, là, on en a eu trois. Donc, logiquement, pour l'instant, si là, on a un épique. Mais non. Oh, le pire tirage. Oh, le pire tirage. Bon, j'en ai eu trois en 40. En vrai, ça va. Mais le pire tirage. J'ai eu que des persos qui servent à rien, quoi. Oh, je suis deg. Heureusement qu'il y a ça en haut. Ça peut peut-être me sauver. Mais j'ai peur. Hein. Clairement. Yes, ça va, on s'est rattrapé, on s'est rattrapé. Donc attends, j'en étais où avec elle? Parce que là, pour le coup, il me semblait que j'en avais déjà une. Ah, mais oui, voilà, en effet, j'en avais déjà une. Ah, trop bon, nickel. Oh, yes. Ah, ça fait trop plaisir, par contre. Hop, on la met comme ça, et on la passe. Deux étoiles roses, donc 7 étoiles. Ah, ça, c'est cool. Et après, est-ce qu'on pourrait encore faire un truc? Oui, on pourrait. Ah ouais, bon, là, non. Enfin, quoique, en vrai, est-ce qu'elles me servent les deux, là? J'ai bien envie de les balancer, hein. Là, clairement, ceux qui sont pas bons, on peut les supprimer, quoi. Elle, à la limite, elle pourrait être cool. J'ai envie de le tenter, hein. En vrai, je m'en fous, je le tente. Voilà, c'est bon, ça m'a saoulé, je le tente, voilà. Au moins, on est 3 étoiles, et au moins, on voit ce que c'est. Tant pis, c'est crash test. Bon, là, je récupère le stuff, hop, que j'avais supprimé, ok. Donc, après, il lui faut... Oh, il en faut 3, d'accord. Donc ça, on a vu, on a le temps, hein. Mais en vrai, je me suis mis bien, là, hein. Donc déjà, attends. Ah, c'est vrai que j'ai plus de ressources, là. Que j'ai dû en gagner pas mal avec tout ce que j'ai fait. On peut la monter jusqu'à quoi? 130 160, ok. Donc du coup, on va augmenter nos petites campagnes tranquille. On a laissé la Margaret. On a mis... Je pense que mon équipe là, elle est plutôt cool en soi. Si j'ai besoin d'un peu plus de temps, à la limite, j'enlèverai Michel et on mettra notre Auguste. Quoique, je sais pas trop. On va passer. J'ai vu tout à l'heure, les dégâts de Margaret étaient... Voilà, elle est un peu remontée, on va dire. Bon, elle est toujours un peu derrière, mais des fois, c'est moins flagrant. Alors peut-être par rapport aussi à l'équipe qui est en face, ça doit y jouer certainement, c'est sûr même. Parce que là, est-ce que le niveau est pas trop haut pour elle? Est-ce qu'elle meurt pas trop vite? Je sais pas. Bon, là, elle est pas ouf en dégâts. Écoute, pour l'instant, on va rester comme ça. Est-ce que si je mets mon équipe de base, c'est-à-dire sans elle, et que je remets lui et lui, on fait un truc un peu comme ça, voilà. Est-ce que là, ça passe toujours? Alors, je vais me faire crasher le jeu, hein. Je sais pas si t'as vu, mais tout s'est éteint. Ok. Alors, est-ce que je gagne facilement? Moi, je kiffe cette équipe, hein. Même si, ouais, je sais, c'est pas bon, nanana, mais Auguste, moi, je le kiffe. Je le trouve trop fort. Tu vois, on passe. Et là, est-ce que... Ah, voilà, tu vois, il est toujours premier. Lui, il est horrible, hein. Il fait des dégâts de ouf, hein. Faut que je le laisse, hein. J'ai pas le choix, hein. À la limite, si je passe pas, je mettrai Margaret et après, je changerai. Mais là, cette équipe, elle est forte. Hein. On va laisser comme ça et on verra quand je bloque. J'essaierai d'autres types de compos. Voilà, j'ai un peu bloqué, tu vois, au 45, mais je l'ai fait 5 fois d'affilée et c'est passé. Et là, normalement, je pense qu'on va aller en touche-fousse sur le 50. Hein. Je vois pas clairement ce qui peut nous arrêter. Là, on est au 47. Là, on passe, hop, 48. On a le 49, voilà. Et enfin, voilà, on est sur le dernier, les gars. On est sur le 50. Tu vois, on passe vraiment d'un extrême à l'autre, quoi. D'un boss à l'autre. Donc, je trouve du coup que ça, c'est un peu moins bien. Là, du coup, je pense qu'on va se faire éclater normalement. Donc, je vais laisser mon équipe comme ça. Et on va découvrir ensemble si on va se faire exploser ou pas. En tous les cas, on ne peut pas les passer ces combats-là. C'est vrai que c'est un peu dommage, d'ailleurs. Des fois, quand tu vois que dès le premier combat, parce que c'est en deux combats, hein, il te reste qu'un perso et que c'est le mage. Enfin, et que c'est le mage, pardon. Et que c'est le healer ou quoi que ce soit. Tu sais que tu battras pas le boss avec ça, c'est pas possible. Et que tu puisses pas passer le combat et que tu sois obligé d'attendre, c'est un peu relou. Alors. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai des bons dégâts? Aïe. Ah, je tue personne. Ouais, ça va être chaud là pour moi. Non, je vais pas pouvoir gagner, c'est pas possible. Je me suis pris trop de dégâts.
Donc là, peut-être qu'il faut de l'entrave, justement, pour un peu enlever toutes ces attaques, parce qu'au final, ça mange vachement mes PV. Après, là, je vais les tuer dans ce round-là, je pense. Il n'y aura pas de prochain round, à mon avis. Oh non. Dommage. Dommage d'avoir utilisé un ulti sur ça. Ouh, on est sur l'araignée, très bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir lui faire mal ou pas? Est-ce qu'elle va se healer à la fin? Est-ce que... Je sais pas. Une araignée, je me dis qu'elle va peut-être mettre du contrôle. Avec des jarres de toile. Je connais pas tout le perso, mais... Ouh, j'ai pris cher, là. Ouais, elle m'a explosé, hein. Bon. Là, je vais pas passer, mais je pense que... J'ai perdu dans le combat d'avant, il y a eu des soucis quoi. Bon les gars, on s'arrête ici, clairement j'arrive pas à passer, donc on va pas plus insister, voilà, on va récupérer tout ça parce que j'ai quand même vraiment zappé. On va pas plus insister et on essaiera la semaine prochaine d'avoir un meilleur tirage pour espérer avoir peut-être d'autres persos évoluer et avec ça, peut-être monter, je sais pas. D'ici là, je sais qu'il y a l'événement là qui va bientôt finir, alors attends. Hop, on récupère ça. C'est celui-là et il finit dans 3 jours, donc là, alors attends. Je ne sais absolument pas quoi prendre. Sachant que là, il m'aurait donc 750 plus 750, on est à 1500. Et que j'en ai 6300. Donc plus 1500, on n'arrivera pas aux 10 000. Donc, on va obligatoirement s'acheter, voilà, ça. Et j'en ai pas forcément envie. Donc, je sais pas trop quoi prendre. Je sais que ce qui est en bas, c'est toujours utile, les pierres spirituelles pour le truc de rune, hein, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on claquerait pas tout ou là-dedans? Oula, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi prendre. Je pense que les persos, c'est pas forcément le meilleur choix. Donc, ouais, je sais pas. Donc, les gars, on s'arrête là-dessus. J'ai eu un bon tirage. Enfin, un bon tirage. Non, j'ai pas eu un bon tirage, mais on a eu Sylvia. On a pu la monter, donc je suis content. Est-ce que l'évolution... est-ce que la foot que j'ai utilisée est la meilleure? Je sais pas, mais moi, en tout cas, pour moi, c'était bien. Donc, on s'arrête là-dessus, les gars. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les gars.